Bonsoir à tous. Mauvais traitements, conditions de travail difficiles. La vie des Indonésiens en Nouvelle-Calédonie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, comme vous l'avez découvert lors de notre précédente émission. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir pourquoi certains d'entre eux ont choisi de rentrer dans leur pays d'origine. Leur objectif, ce n'était pas de partir pour partir, c'est partir pour mieux revenir. Nous reviendrons sur les raisons qui ont conduit les Javanais définitivement installés sur le Caillou à taire leur douloureuse histoire pendant des années. C'était une stratégie. On va s'intégrer en ne disant rien. Voilà. Enfin, je vous raconterai ce que font ces Calédoniens à part entière pour ne pas oublier leurs racines indonésiennes. Pendant 5 ans, j'ai sillonné la Nouvelle-Calédonie pour interviewer les personnes âgées, recueillir leurs témoignages et pouvoir mieux faire connaître notre histoire dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Sur les traces du passé, c'est tout de suite sur NCTV. Dès 1939, les Javanais du Caillou, considérés par leurs employeurs comme les plus méritants, obtiennent la résidence libre. Ils s'installent petit à petit, certains apprennent la mécanique, d'autres deviennent maraîchers. Ils vont pouvoir ainsi cultiver des terres pour leur propre compte. Ce qui va changer la mentalité en Nouvelle-Calédonie envers les travailleurs immigrés, c'est la fin de l'indigénat. Lorsqu'en 1946, chacun était libre de circuler, de travailler, de faire ce qu'il voulait. Et la fin de l'indigénat a été quand même une certaine mesure, une délivrance pour la population javanaise de Nouvelle-Calédonie, parce que ça leur a permis de pouvoir, un, se déplacer et s'installer là où ils voulaient, de ne plus être sous la coupe d'un patron, de devenir aussi métayer, d'ouvrir leur propre commerce ou leur propre exploitation agricole et donc de mieux gagner leur vie et de mieux élever leur famille. Après la guerre, les premiers convois sont repartis, beaucoup sont repartis, mais entre-temps, il y a eu la présence américaine qui a fait évoluer les choses en Nouvelle-Calédonie. Lorsque les Américains sont arrivés, il a fallu nourrir toute cette population américaine de soldats et donc il a fallu aussi se lancer dans une agriculture plus importante. Et ça a donné l'opportunité à des Javanais, comme à toutes les autres composantes ethniques de la Nouvelle-Calédonie, à faire autre chose. Donc les Vietnamiens se sont lancés dans tout ce qui est blanchisserie, commerce, etc. Et les Javanais dans tout ce qui est exploitation agricole, dans les légumes, le café, les fruits, etc., etc. Ce qui leur a permis de gagner un peu plus, de s'affranchir un petit peu de la tutelle de leurs engagistes, de leurs patrons, et de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Avant la guerre, c'est tout le monde, il est engagé. C'est là. Après la guerre, tout le monde est civil. Les Nations Unies, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus d'engagement, tout le monde est civil. Ça fait que vous pouvez travailler, vous pouvez chercher le patron où tu veux, vous pouvez bâtir... Vous pouvez faire commerçant, vous êtes libre, libre choix. Après, mes parents, ils ont acheté une propriété. Une propriété et une caféerie, quoi. Après, on faisait ça, le café. Enfin, là, c'est pour nous personnels. Après, on est considéré patron nous-mêmes, quoi. En 1945, il y a eu la naissance de la République d'Indonésie. Donc les Javanais qui étaient sujets hollandais sont devenus des gens libres avec une nationalité, avec une nation. Et donc ça leur a permis, je pense, de prendre leur envol. Et lorsqu'en 1949, le dernier convoi est arrivé, c'était des nationaux indonésiens qui venaient avec un contrat dans un pays français, mais avec un contrat en bonne et due forme et qui pouvaient repartir parce que c'était aussi de leur propre chef. Ce n'étaient plus des gens
guillemets exilés, qu'on leur demandait de partir, mais qui venaient chercher de quoi mieux vivre chez eux au retour. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après 4 années de lutte acharnée, l'archipel indonésien se libère de ses colons hollandais. Cette indépendance, toute nouvelle, va donner envie à certains Javanais du Caillou de rentrer dans leur pays d'origine. C'est pourquoi ils seront des milliers à quitter la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1955. Cela n'empêchera pas certains de leurs enfants nés ici de revenir vivre en Calédonie quelques années plus tard. Ils nous ont donné le choix pour ou rester en Nouvelle-Calédonie et puis citoyens français, ou comme je connais beaucoup qui sont retournés en Indonésie parce qu'ils sont citoyens indonésiens et donc fiers de l'être, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux. L'objectif c'était de venir travailler, gagner un peu d'argent pour pouvoir rentrer chez soi, retourner dans son village pour améliorer ses conditions de vie. Et si entre-temps on a fondé une famille, on repartait avec sa famille. On ne laissait pas sa famille ici parce que c'était hors de question. Bonjour. Alors voilà mon papa, 83 ans, le 30 décembre de cette année. 83 ans. À l'époque, mon père était rentré pour suivre ses parents. Les raisons qui ont poussé les grands-parents à rentrer en Indonésie, c'était forcément pour rentrer chez eux et finir leur vie chez eux. Et aussi avoir une meilleure vie par rapport à la vie qu'ils avaient ici en Nouvelle-Calédonie. Mon père, il a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Et après, il est parti au moment de la déclaration d'indépendance en Indonésie. Il est reparti avec son grand-père vivre à Jakarta et y travailler pendant à peu près 11 ans. Et bien souvent, les enfants qui sont nés sur le territoire étaient considérés comme des, non pas comme des Français, parce que le droit du sol n'était pas reconnu, mais c'était des sujets hollandais. Donc ils avaient la, entre guillemets, la nationalité de leurs parents. Donc ils devaient repartir avec leurs parents. Et ça posait problème au niveau des rapatriements. Le service de l'immigration avait mis en place des systèmes de pécule pour justement permettre à ces gens-là de rentrer à la maison avec... Oui, une somme d'argent pour le retour. Leur objectif, ce n'était pas de partir pour partir, c'est partir pour mieux revenir. Et après, les circonstances ont fait que certains ont mis du temps à revenir, parce que entre 1896 et 1949, 1896, c'était le premier convoi qui est arrivé, et 1949, c'est le dernier convoi d'Indonésiens arrivé en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu plus de 87 convois. Il y a eu plus de 20 000 Javanais qui ont transité en Nouvelle-Calédonie. Et en 1955, lorsqu'il y a eu le dernier convoi par le Skobrin, le dernier bateau qui a de rapatriement, il y avait plus que 2 000 Indonésiens en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce noyau de 2 000 Indonésiens qui a fait la souche de la communauté javanaise d'aujourd'hui. Mes parents sont décidés de rester là parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ouais, on est 12. Alors, vous voyez, avec 12 enfants, arrivé à Java, il va tirer la langue. Mais c'est trop tard, ils sont âgés, quoi. Ils ne vont pas retourner avec une canne à Java, là. Je peux pas. Nous, il n'était pas question de retourner en Indonésie. On ne connaît pas l'Indonésie. Moi-même, maintenant, lorsque je vous raconte ça, je ne connais pas l'Indonésie. Mes parents sont nés à Ponérihouin, donc... Moi-même, je suis né à Ponérihouin. Mes racines sont à Ponérihouin. Mais c'est vrai que si je devais me retrouver en Indonésie, pour moi, je pense que je serais pratiquement comme un étranger. Certains sont restés tout simplement parce qu'ils avaient perdu tout contact avec l'Indonésie. Soit ils étaient restés dans les vallées d'Ingen, soit ils étaient restés avec une famille nombreuse, donc ils ne pouvaient plus repartir. Soit qu'ils avaient choisi de rester ici. Et bien souvent, il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient restés célibataires. Donc ça ne se pouvait pas se concevoir de rentrer au pays seul, vieux,
sans plus grande famille ou sans attache, où on a perdu les attaches familiales, donc ils ont préféré choisir de rester ici. Et ils ont continué à travailler et à participer au développement de ce pays. Pour nos anciens qui étaient sur le territoire, ils avaient possibilité soit de rentrer en Indonésie en tant que citoyen indonésien ou se naturaliser français. Ce que mon père a fait avec ma maman, ils se sont naturalisés français pour être mis en conformité avec la Constitution française. Quand je suis né après, ben, on était d'office citoyen français par le fait que mon père et ma mère, ils étaient naturalisés français. Certains sont partis et certains sont revenus. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, par exemple, je parle du premier convoi de 48, entre-temps, en Indonésie, il y a eu l'occupation japonaise, il y a eu la guerre d'indépendance. Et lorsque des Javanais de Calédonie qui étaient venus sous contrat sont arrivés là-bas, ils ont trouvé le pays sans dessus-dessous à cause de la guerre. C'était le chaos, c'était la naissance de la République. Donc ils ne se retrouvaient plus chez eux. Beaucoup sont restés ici très très longtemps, donc ils ont perdu des repères, ils ont perdu de la famille, ils ne se sont pas retrouvés du tout et ils ont décidé de revenir en Nouvelle-Calédonie. Ils ont eu l'opportunité de pouvoir revenir. D'autres sont revenus après parce que des parents qui étaient restés là ont pu les faire revenir. Et certains aussi sont nés sur le territoire, donc ils ne connaissaient plus du tout. Tout comme les parents sont arrivés ici dans un territoire inconnu, eux débarquaient dans un territoire inconnu. Donc ils ont fait le choix de pouvoir revenir lorsqu'ils ont eu la possibilité de revenir. Les personnes qui sont reparties pour moi, reparties un petit peu sous la contrainte de repartir. Il fallait repartir parce que les grands-parents voulaient retourner au pays. Voilà, donc ils ont un peu fait en sorte d'oublier ou de plus rappeler ces moments de leur vie en Calédonie. J'arrive chez ma tantine Paynum, à l'endroit où j'ai été accueillie il y a en 69, il y a maintenant 44 ans. Alors on a ici Madame Paynum, qui est ma tante, la petite sœur de mon père, et par rapport à Jean-Claude, la petite sœur aussi de sa maman à Jean-Claude. Donc c'est vraiment notre tantine. D'ailleurs, c'est la dernière, c'est la fille Cassimine. Voilà, c'est une fille Cassimine. Je suis donc descendant d'une fille Cassimine qui n'est pas partie en Indonésie, qui sont restées là sur le pays, puisque ma mère étant mariée, puis que moi et ma sœur en étaient déjà là, donc ils sont restés au pays. Et c'est un petit peu les choses qui ont fait que on a perdu la grand-mère, on a voulu faire revenir le grand-père, etc. Donc une anecdote du retour de Nel, c'est quand j'ai vu sur le tarmac le tonton, je n'ai pas réagi. Je suis arrivé dans la voiture, j'ai dit mais c'est pas possible, mon tonton. J'ai dit mon tonton Man, il est là avec nous. Et même aujourd'hui j'ai encore le cœur qui bat plus fort. Donc ça, c'est un truc trop fort. C'est trop fort parce que parti, moi j'étais petit gamin, ils sont partis, et là je revois mon tonton. Quelques lettres et encore que je connaissais lire, mais par l'intermédiaire d'un ami qui était là-bas, qui écrivait, parce que mon tonton ne savait pas écrire. Donc le revoir là, mais c'est pas possible. Quand ils sont partis, je pensais jamais les revoir. Et bien aujourd'hui, on est tous regroupés à Robinson. Et la tontine est encore là. Plein de choses. La famille est quand même assez regroupée. Donc voilà, donc je remercie quand même. Il y a bien quelqu'un qui nous a fait qu'un jour ou l'autre, on peut tous se retrouver. Le grand-père donc, est revenu en 1957, après le décès de sa femme, de ma grand-mère, en 1956. Parce que il n'y avait plus au final le pilier qui était la grand-mère à cette époque. Cette fille aînée, Vakiam, qui était restée ici en Calédonie, l'idée est venue d'elle pour faire revenir le grand-père, puisque bon, il n'avait plus sa femme.
Moi, je suis arrivée d'Indonésie à l'âge de 7 ans. Et j'étais à l'âge de 7 ans une fille qui était, comment on peut dire, mal en point. Parce que bon, là-bas, c'est vrai que c'était une vie quand même difficile, puisqu'on manquait de tout. Seule une minorité, entre 1600 et 2000 Javanais, restera chez nous. Ils s'installent petit à petit et décident d'oublier les mauvais traitements subis. Pour leurs enfants, leur vie depuis leur arrivée en Nouvelle-Calédonie reste un mystère qu'ils vont essayer d'éclaircir. Ces anciens, ils disaient, moi, je ne pouvais rien faire, voilà. On était brimés, mais moi, je pouvais rien faire. Pour les anciens, l'histoire n'était pas tabou, mais ils ne voulaient pas parler des mauvaises choses, comme ils disaient, ah, mais c'est avant, c'est... Non, il ne faut pas parler, c'était avant, c'est fini, maintenant, il faut avancer. Ils ne voulaient pas qu'on prenne leur souffrance et que ça devienne pour nous une certaine rancune qu'on aurait envers ceux qui ont fait souffrir nos anciens. L'histoire du passé, elle est un peu cachée. Il ne fallait pas trop l'ébruiter, pas trop montrer qu'on était des enfants de Javanais, des enfants de personnes venues travailler sous contrat. C'était un peu une honte. Donc il ne fallait plus en parler, il fallait passer l'étape suivante, dire maintenant, nous on a fait le plus dur pour vous. Maintenant à vous de prendre votre envol, épanouissez-vous et puis grandissez en ayant un meilleur avenir que nous. C'est tout pour les enfants, réussite des enfants, réussite scolaire, réussite professionnelle. Et... Non, 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 ne regardez pas notre vie d'avant. C'est vrai qu'au fond de nous-mêmes, c'est lourd à porter quand même, parce que quand on connaît la souffrance de nos anciens... À l'époque, moi je me rappelais... qu'on était souvent traité de cacane, donc voilà, c'est comme ça qu'on désignait les vieux javanais, hein. Donc pour nous c'était un peu un terme péjoratif parce que c'était assimilé à des personnes qui avaient des sous-métiers ou des bas-métiers, alors qu'on aurait dû être fiers parce qu'indirectement tout le monde nous traitait de grands frères, quoi. Moi, il me manquait quelque chose. Je voulais connaître mon histoire pour avancer, parce que si on avance sans connaître son histoire, bon, certains arrivent, mais moi, non. Il fallait que... Ma grand-mère, elle regardait demain, elle regardait l'avenir, mais moi, je regardais hier, je regardais le passé pour avancer. Et j'avais toujours sa réponse, là, j'ai oublié. Et puis moi, à l'âge de 14-15 ans, j'ai eu l'audace de poser certaines questions, y compris à mon papa. Et qui, à l'époque, mon papa et mon grand-père maternel m'ont expliqué comment c'était la vie difficile qu'ils avaient vécue à cette époque-là, durant leur vie professionnelle sur le Caillou, quoi. Et c'est nous qui avons ensuite un petit peu poussé la porte du pied pour dire, mais il faut nous raconter comment c'était avant. J'ai posé des questions à droite à gauche, au fur et à mesure des réunions de famille, des discussions, des rencontres amicales, des rencontres associatives. Et en maîtrise, voilà, j'ai reposé la question à ma grand-mère, est-ce que tu veux bien me parler de ton passé? Et là, elle a dit oui. Mais elle m'avait posé une condition, elle voulait bien me parler de son passé, à une seule condition, que sa petite sœur soit à ses côtés. Au départ, c'était assez difficile parce que il y avait ce qu'on appelle la certaine pudeur de leur part. Oui, c'était difficile à vivre parce que ma grand-mère parlait avec sa sœur et voilà, c'était les larmes. Et... Les deux racontaient leur passé. Et... Elles pleuraient. Et pour la première fois, j'ai entendu ma grand-mère parler de engagée. Ma maman était en Calédonie. Travailleuse engagée sous contrat. Et là, wow, ça fait mal d'apprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière le silence de ma grand-mère. C'était ça, cette vie d'engagée sous contrat.
Moi, personnellement, lorsque j'ai su certaines choses, il est né en moi une certaine révolte, au niveau mental, quoi. Notre histoire, on a commencé à la connaître en 1996. Je voulais connaître mon histoire parce que j'en connais l'histoire du pays à mes élèves, mais je ne connaissais pas ma propre histoire javanaise, donc je me suis intéressé à ça. Et avec des amis, nous avons formé une association, enfin un comité pour le centenaire de la présence indonésienne de Nouvelle-Calédonie. Et on s'est attaqué aux archives, on a regardé, etc. Et du coup, on a pu célébrer le centenaire de la présence indonésienne. Donc j'étais parmi ceux qui ont participé à la réalisation de la stèle. On a pu collecter des informations auprès des anciens. Et c'est Jean-Luc Maurer, un professeur d'université de Genève, qui nous a contactés pour pouvoir travailler ensemble. Et nous avons pu faire un livre qui s'appelle « Les Javanais du Caillou, des aves de l'exil aux aléas de l'intégration ». Installés un peu partout en Nouvelle-Calédonie, aussi bien dans le sud, autour de Nouméa, que dans le nord, à Yengen ou Koné, ces descendants d'Indonésiens se sentent calédoniens à part entière. Mais ils n'entendent pas oublier leur part indonésienne. Lorsque je suis allé pour la première fois en Indonésie, pour communiquer avec les gens d'Indonésie, avec les gens de ma culture, que je pensais être de ma culture, que moi je pensais être de leur culture, il a fallu que j'emploie l'anglais. Donc c'était un peu la honte. Quand je suis revenu au pays, en Calédonie, je dis il faut que j'apprenne un peu l'indonésien pour pouvoir mieux conserver. Et entre-temps, on a retrouvé des liens avec la famille qui est restée en Indonésie. Et donc ça nous a permis de mieux correspondre par lettre, etc. Ensuite de mieux leur rendre visite. Et quand on est chez eux, on a pu pratiquer la langue et améliorer notre connaissance de la culture indonésienne. Les gens de mon âge, et puis un peu plus jeunes que moi, ils gardent la langue encore. Mais tout le reste, ils comprennent le javanais, mais ils ne parlent pas. On s'est plus européanisé dans l'ensemble. Et pour preuve, j'ai beaucoup de cousins, cousines qui sont mariés à des métropolitains, à des calédoniens. Ben moi, je me sens profondément et plus calédonien qu'indonésien, puisque moi, je suis né ici. J'ai construit ma vie ici et je pense bien y mourir. Voilà, même si je sais que j'ai mes sources ailleurs. C'est une société javanaise métisse. Qui existe maintenant en 2013. Mon père ayant été un peu délaissé par sa famille, il a grandi avec ses grands-parents, donc il a dû apprendre des choses de la tradition qu'il n'a pas forcément su nous transmettre, enfin me transmettre. Donc j'ai cherché à comprendre aussi. J'ai cherché à comprendre pourquoi on entendait souvent « il faut pas balayer la nuit, il faut pas siffler la nuit, il faut pas se couper les ongles le soir, il faut pas faire ci, il faut quand on passe devant une personne âgée, il faut se baisser, il faut se courber, etc. » C'est toujours été c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis intégré dans cette communauté indonésienne. Pour connaître les pourquoi du comment. Et donc j'ai eu la chance après, par le hasard des rencontres, de rencontrer ma future femme qui est originaire d'Indonésie. Maintenant, je connais quelqu'un qui pourra me donner des réponses, soit elle directement, soit les beaux-parents, la belle famille qui est en Indonésie. Donc c'est comme ça que j'essaye de connaître de plus en plus la partie culturelle. Ceux qui ont commencé à faire des études ont dit on a des connaissances par ailleurs, mais on a une méconnaissance de notre histoire. Donc on s'est mis à rechercher notre histoire pour mieux la connaître. J'ai amené l'idée de faire un centenaire, de faire une exposition historique au musée de Nouvelle-Calédonie. Et ça a permis de partager notre histoire. Et puis aux jeunes générations, de mieux voir cette communauté qu'ils ont côtoyée depuis 1896, la communauté javanaise de Nouvelle-Calédonie.
Voilà, c'est la fin de ces deux numéros des traces du passé consacrées aux Javanais du Caillou. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres épisodes de l'histoire de notre caillou. Bonsoir à tous.